À Paul, on a bien dormi après cette victoire, on avait encore des frissons hier soir. Ouais, j'ai bien profité hier soir avec les gars, j'ai reçu beaucoup de messages et la nuit a été bonne quand même. On remet ça aujourd'hui? Ouais, j'espère. Dites-nous un peu comment on s'imagine que ça va se passer aujourd'hui, c'est un final différent, comment faire? Ça va être une journée plus dure qu'hier avec des cols à passer, notamment dès le départ. Il y en a un autre à quelques kilomètres de l'arrivée, donc va falloir être costaud, mais on va tout faire pour passer, avoir l'opportunité de sprinter, donc on verra comment ça se déroule. On pense que ça va être un sprint en groupe réduit, ça va quand même, il va quand même avoir 6 coureurs à l'arrivée ou ça peut être vraiment plus débridé? Je pense que ça devrait quand même faire sprint, après je peux pas prédire l'avenir, mais à mon avis ça fera un groupe avec peut-être 50, 60, voire un peu plus de coureurs. C'est une montée assez roulante quand même, donc il y aura de l'aspiration, mais on va espérer passer et être là pour sprinter. Ouais. Et dans ce cas-là, quel est le plan pour sprinter parfaitement ces derniers kilomètres? Il y a une approche assez grande roue devant de phase, donc à mon avis le placement va être assez tumultueux. Après on tourne à droite à 400 mètres et là ce sera les jambes qui parleront, mais ouais, je pense qu'il faudra déjà un bon placement. Après on a montré hier que l'équipe était armée pour ça, donc on va faire ce qu'il faut. Justement, juste une petite des choses, hier Félix Gall a perdu du temps, Bruno reste placé au général, on va essayer de garder Bruno bien placé ou alors maintenant l'objectif c'est juste les victoires d'étape? Ouais, il y a déjà la victoire d'étape aujourd'hui, après malheureusement pour Félix, pour le général c'est foutu. Après il vu comme il marche, il est encore capable de nous gagner une étape, donc faut pas baisser les bras à ce niveau là et Bruno est bien placé, il est pas très loin de chez lui, donc on sait que c'est une course qui lui tient à cœur et il est pas pur grimpeur, donc on verra au jour le jour, mais il s'accrochera le temps qu'il peut et pour aller prendre une belle place au classement général. Merci beaucoup, bonne chance, bonne course.